Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bah, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu et j'avais pas trop d'idées non plus de contenu à proposer jusqu'à aujourd'hui. Donc cette vidéo, en fait, si vous regardez bien, il y a un nouveau truc derrière moi et c'est un camper avec le pédalier, il y a tout ce qu'il faut. Donc ce magnifique appareil n'est pas à moi, c'est un ami très cher de longue date qui m'a en fait demandé un petit service. Je vous explique vite fait le truc. En gros, il m'a demandé de réceptionner ça qu'il a acheté sur le Bon Coin. Plutôt une bonne affaire d'ailleurs. Donc voilà le service, quoi. Je lui ai dit, bah bien sûr, je peux réceptionner pour toi parce que lui, il habite pas sur Bordeaux en fait. Voilà. Donc du coup, je lui ai promis de faire une petite vidéo pour lui montrer un peu le son, comment ça réagit, tout ça. Donc ça sera pas du tout une vidéo camper, tutoriel avancé, etc. Je m'intéresse au système numérique. Mais j'y connais pas grand-chose encore. Donc là, pour cette vidéo, j'ai pris un modèle, un diesel, avec un peu de délai, reverb et tout. Et puis on va voir comment ça sonne juste comme ça. Et peut-être avec un backing track, et ça sera déjà super pour commencer. De toute façon, il faut que je rentre un peu dans les détails de la machine pour aller plus loin, donc pour commencer, je trouve que c'est pas mal. On écoute ça déjà? Donc le premier truc que j'ai remarqué, c'est que ça réagissait extrêmement bien au changement de volume sur la guitare. Et également, ça respectait vachement le caractère de la guitare. Donc, je ne sais pas si sur cette vidéo, j'aurai le temps de changer de gratte éventuellement sur le même preset pour voir ce que ça donne. J'essaierai peut-être de le faire. Sinon, ça sera dans d'autres vidéos, quoi. Mais, en tout cas, ça sonne vraiment assez bluffant, en fait, quoi. Donc, je vais arrêter de blablater et puis je vais mettre un petit backing. Et puis, comme ça, on verra comment ça ressort du mix aussi. Parce que c'est souvent une critique, hein, des gens qui disent que ça ressort pas trop dans les mix. Donc, on va voir ça. Voilà, donc je sais pas trop comment ça sonne chez vous. En tout cas, moi là, c'est cool parce qu'il est tôt le matin et en fait, je peux jouer non pas au casque et tout, mais avec un tout petit volume, mais pourtant un son qui est assez cool. En tout cas pour moi, quoi. Donc désolé, je laisse les pains, les mauvais plans, les mauvaises phrases qui tombent pas au bon moment, mais c'est pas grave, c'est juste pour le son. Et puis bon, il y aura sûrement d'autres trucs à venir pour plus tard, quoi. Voilà Mathieu, j'espère que ça te donnera quand même un aperçu de comment ça peut sonner. Donc là, j'ai chanté en fait le baffle pour passer directement dans la carte son via deux XLR. Donc on a des délais stéréo, je sais pas si vous l'entendez, mais moi ça fait ping-pong, quoi. Voilà. Bon, à bientôt. Ciao.